nothing left to the floor when you're not incredible. Looking to get to the death when they need you. Looking to the floor, you gotta come. Looking to that door, or you think it's there. Monsieur le sénateur, vos plans et valières. Monsieur le sénateur Joënel Senatus. Monsieur le sénateur Sildor Pierre-François. Monsieur le président, 17 sénateurs sont présents. Merci. Le quorum est constaté. La séance est ouverte. 2008 à 2016, gain environ 57 milliards de gouttes de redressement. Nous notons le rapport là. Et le nous dit de 2008 à 2016, l'arrivée 30 septembre 2016, l'embrasser tout gouvernement qui passait en un pays. Et lors du redressement, président, quelle que soit décision BM pas de plan, faut conseil d'administration valider décision pour le Québec. D'où l'OE BM PAD, je dis, où est tout le monde qui participe dans le conseil d'administration. Président, nous notons dans le premier chapitre rapport là que pour gérer le fonds BM PAD là, où tu as besoin en budget. De 2008 à 2016 à 2015, budget pour gérer le fonds BM PAD là, pas de jamais dépassé 131 millions de gouttes. Mais en 2016, président, nous prenons courage à deux bras pour dire que le budget ça a triplé, il est passé de 131 millions de gouttes à 437 environ millions de gouttes. Donc c'est en 2016, gestion frais, gestion bien pana, c'est un problème là-dedans. Le président nous dit de l'info à gérer par bien pana, ajoutant que nous avons une compagnie internationale qui a supervisé Centralio, dans l'audition que nous avons eu avec un directeur bien pana, question ça a été soulevé, et que nous dit pour gestion 3 Centralio, malgré c'est l'État qui baille tout le bagaille, l'IVO Haïti, 880 000 dollars américains qui environ 10 millions de dollars là. Nous disons son gagant, son capji et nous demandons pour que l'État repense sous question gestion 3 centrales électriques et le premier chapitre rapport ça à président. Nous prenons courage nous à deux bras président puisque l'Assemblée a demandé un mandat pour dire vérité. Nous gardons question électricité à nous joignons que tes gros contrats entre son génère et l'État haïtien pour son génère produit courant électrique et que l'État haïtien a responsabilité pour payer son génère. Mais que mon ministre qui vient de monter, son ministre des Finances qui est le Mercier Georges, qui paraît bien Jean-Bagayot a fait, lui écrit BRH, lui bloquer question paiement son génère là, et pays a tombé dans la garoute. À l'époque, président, volonté président Michel Martelly, pour te retirer pays dans la garoute, rencontré au tir de Jean-Marie Vogue. À Jean-Marie Vogue, il dit comment le pays a fait la blackout. Jean-Marie Vogue dit nous pas de gaz, nous pas de courant, parce que le Mercier Georges bloqué le contrat. Le président Martelly, dans sa sagesse, et volonté pour retirer le pays à la blackout, René Bernpad, il dit pas monsieur au gaz pour le courant. Depuis le président, premier contrat censé tomber, Bernpad a pas de gaz et son génère a pas de courant. Vingon d'être croisé entre son génère et Bernpad. BMPAD qui est dette pour son génère. L'État ici qui est dette pour son génère qui a pas courant et son génère qui est dette pour BMPAD qui a pas de gaz. Nous regardons le cahier comptable son génère. Nous voyons que son génère droit l'État ici 173 millions de dollars. Mais cependant, nous regardons le cahier comptable son génère. L'un de Jean-Marie Vogue, l'État fait nous comprendre que, et grand pile collègue qui t'a assisté à ces instants, l'État a donné 180 millions de dollars. Il suffit, président. Bon, résolution seulement qui prend au niveau pouvoir là pour être capable de réguler question ça, empêcher d'être croisé ça. Nous parlons de combien comme NDH doué pendant que nous n'avons pas payé courant, mais tout frère au sorti sous BMPAD dans le fond que nous avons payé Petro-Caribéen. NDH ont dette de plus de 437 millions de dollars pour BMPAD. Tout ça traité dans le premier chapitre là, c'est pour être capable de faire collègues comprendre à partir du premier chapitre là, si nous bien analyser. N'a point de 2008 à 30 septembre 2016, pas de monde qui est exempt. Tout le monde tombé dans l'irrégularité, tout le monde a compte pour aller à l'État jusqu'à ce que l'État rectifie le tir. Président, après, nous passons dans différentes résolutions. Je travaille sur 13 résolutions. Nous travaillons sur ensemble de résolutions. Et chaque résolution
nous regardons qui est-ce qui dégage, qui compte, qui a loué et qui mission que le débat est à partir de l'argent que le débat est. Nous prenons première résolution, nous prenons jusqu'à 13e résolution et nous prenons moitié, nous dit dans la gestion président primaire et nous dit collègues, puisque janvier 2017, il est obligé de faire de 30 septembre, il y octobre, novembre, décembre, janvier, février, nous pas enquête ça, encore nous demander pour que la justice est capable d'intervenir pour permettre que moitié enquête ça fait et compléter enquête jusqu'au 30 septembre là pour permettre que la justice sévit contre coupable. Fort de considération, ça, yo, président, nous tirer conclusion. Et conclusion, yo, nous tirer à partir de données que nous avons dans nos œuvres que nous avons là sont œuvres humaines, qui sont capables de des imperfections. Mais nous croyons que, et dans la forme, li, et dans la forme, yo, nous font travail impeccable. Travail ça, nous voulons soumettre à appréciation sénateur, yo, qui a le privilège depuis vendredi pour être capable de prendre lecture de ça que nous rapportons Bayo et matin nous portons en pile correction à partir de tout ça que tu as comme faute de frappe parce que nous avons signé un document. Il y a un pile bagaille qui dit dans le document qui n'est pas rapporté dans le document. Nous corrigeons tout et nous sommes tenus à porter un document qui finit par les collègues sénateurs. C'est dans l'optique ça, président, j'ai honneur au nom de la commission pour me déposer version corrigée. Rapport Petro-Caribéa qui signé par trois collègues et me déposer 26 clés support USB qui remplaçait clés que yo te gen nan men yo comme étant un document définitif et commission arrêté attendre assemblée pour capable questionner rapport ça et devant l'histoire et devant la vérité nous prend responsabilité par nous et nous souhaiter que collègues yo poser nous toutes questions nous poser nous. Et nous-mêmes, nous devons mettre à la hauteur des responsabilités que nous avons confiées nous pour nous répondre à toutes questions suivant intelligence nous et faire lumière sur nous pour que nous assurions nous questions de corruption qui sont des bagailles transversales qui sont capables de bloquer le pays. Au moins que les questions soient évacuées, nous avons l'autre pays qui voit l'autre signal et que tout le monde est capable de prendre l'autre, nous est capable de compter avec le pays d'Haïti. C'est dans ce sens-là, président, au nom du pouvoir que le Sénat est pas moins. Au nom de toute collègue qui a participé dans le travail, ça, j'ai honneur pour me déposer pour le peuple haïtien en général, mais en particulier pour le Sénat République qui a confié la mission, ça, travail définitif que nous débat moins. Et pendant que je dépose le président, je remercie le peuple pour solidarité, pour compréhension, et je dis que nous remettons à l'histoire, au péril de notre vie, la gourmet, pour que le rapport ça, nous tourne en vérité. Parce que le pays, ce n'est pas nous lier. Nous avons une responsabilité pour nous gommer jusqu'au bout, pour capable de changer la vie, pour nous changer l'environnement. Et président, je vais soumettre officiellement le document. Merci. C'est toujours le même document. En tant que sénateur de la République, membre de cette prestigieuse assemblée, il est impératif pour que nous considérions des dépôts à fête Jodia comme la toute dernière version officielle du document produit par la Commission. Et sur cette base, nous prenons acte. Et une fois que nous possessions, il est impératif tout pour nous, en tant que sénateurs, pour nous prendre un petit temps pour analyser différents éléments constitutifs de rapport ça et demander pour que nous soyons capables de mettre nous d'accord pour nous fixer une date pour nous capables de retourner ici dans l'Assemblée. Monsieur le Président, tout le week-end nous avons travaillé sur vous. Je dis à la Président pour venir voter rapport. Je viens là pour me voter rapport pour me dire qui est-ce qui vole Petro-Caribéa. Le pape bon président pour nous entrer dans la logique dilatoire. Logique dilatoire qui prend le qui ça. Je n'ai pas demandé 15 jours, mais avocat m'habitue à ça. Faire un procès durer 25 ans et les gens qui ont intérêt dans le procès, ils perdent le fil procès. Je dis à mon vin là la question Petro-Caribéa
Et j'ai eu tout le week-end avec mes consultants pour me travailler sur lui. Et maintenant, moi je crois que l'apprendre et l'Assemblée apprennent pour qu'aucun sénateur ne pas dit que il n'y a pas de connaître ou pas présent. Donc, en premier lieu, le bureau a proposé 15 jours. N'a demandé sénateur qui pour 15 jours, levez la main s'il vous plaît. Une minute, non, une minute. Nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau. Voilà. Une minute. Sénateur qui compte 15 jours, levez la main s'il vous plaît. Qui pour 22 jours, yo. Qui compte 15 jours là. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Il y a 11 sénateurs qui comptent. Sénateurs qui abstenu. Abstention. Moi, je suis pour les règlements internes du Sénat. Merci. Voilà. Donc, il y a 4 personnes qui pour. Qu'on y a, il y a 2 propositions, 15 et 22. Sénateurs qui pour report là à 22 jours. Levez la main, s'il vous plaît. 12 sénateurs. Sénateurs qui abstenus. Eh bien, sénateurs qui comptent 22 jours là. Voilà. Je pense que nous avons assemblé, décision adoptée à majorité. Donc, mardi 14, mardi 21, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 1er, samedi 2. Dimanche soir, lundi 4, mardi 5. Et une minute. Mardi 5, là-bas, bon. Une minute, monsieur. N'abdi sénateur. Une minute. N'abdi, on nous joigne aux médias. Mardi 5, c'est un jour. Presque de congé. En nous jouant aux médias un petit peu avant pour que tout sénateur soit là. Hein? Non. Non. Non, prenez. De 5, une minute. De 5 à 10, il y a un sénateur qui ne parle pas du tout. Donc, moi, je pense que si nous prenons jeudi qu'avant, non, Kadav, on recherche. Kadav, c'est la Kadav. Mardi 28, by 15 jours. Mercredi 29, jeudi 30, ça fait 17 jours. Comme sénateur a parti dans le week-end, non, on nous propose en médiane pour le jeudi 30. En médiane. Pour que. Nous faisons sacrifice. Non, on a fait 22 jours. Pour nous présents. Sénateur Russet. Hein? Jeudi Durand. Adopté. Merci. Jeudi Durand. Nous, ou pas qu'à conclure, parce qu'on a 4 ou 5 mois pour enquêter sur lui, ou demander la justice, puisque dans l'enquête préliminaire qu'on fait, ou jouer des bagages qui ne pas paraître bien, ou demander la justice pour approfondir. Donc c'est ça, il y a des difficultés avec lui, parce qu'il n'a pas maîtrisé la question d'enquête. Nous comprenons que le bon matin dit tel monde tel problème, nous parlons de rétention des documents. Nous disons à où, Gabji, et puis je me dis, je vais me référer par exemple à la Banque Centrale. Ou bien me référer à BNC pour me capable de conclure. Mais si vous arrivez dans BNC pas bon document qu'on a besoin. Pour conclure, encore, vous dites que vous arrivez à 80-90% de l'enquête là. Malheureusement, vous insistez que les BNC qui pas collaboré, d'où demander la justice, puisque la justice est force contraignante. Ça que demande BNC pas bon, la justice sera forcée dans l'île. Mais ça, vous voyez bagarre devant la justice qui est différent. Donc, tout document qui te doit la porter ou la porter ou, il faut conclusion sur lui. Les on dit voilà, en conclusion, ou demander en fonction de telle loi dans le code pénal là. Mais si vous ne faites pas conclusion définitive, vous ne pouvez pas dire au regard de la loi ou juste référer à la justice.
pour l'approfondir. Je dis à mon rapport, il pas changé sénateur. Pas grand en termes de contenu. Bon, un exemple clair, ou après un pile monde à parler, erreur matérielle. Par exemple, un rapport de 656 pages, où il y a plusieurs secrétaires qui ont tapé. Ou par exemple, il faut compter chaque mettre les documents sous support électronique et on mettre les documents ensemble. Mais nous prenons le rive côté, on fait correction. L'on fait correction 600 effractions, pas, et c'est bon seulement qu'on corrige. Il y a des gens qui vont côté, ils ont dormi, ils ont corrigé tout, ils ont sauté 2-3 pages. Maintenant, l'on fait un regard général, ou je vois qui était mal frappé, ou dit, oh, les gars, mon chef, tu commences à dormir. Finalement, puisque le sénateur a des documents à la disposition, sans signature, nous mettons à la disposition, toute erreur matérielle, ça, maintenant, nous prenons le temps nécessaire. Nous ajustons et nous remettons une autre clé. Parce que les documents qui arrivent, jeune sénateur, c'est pour le sénateur. Ce n'est pas le document qui doit être public. Tout un dépôt officiel là va faire. Le document va être public. Moi, on est en Haïti. Nous n'avons pas géré les questions médias sociaux. Depuis que nous avons eu juste la gueule. D'où ces mêmes documents, ces mêmes recommandations. Un bon exemple. GTC. Mon ministre a parlé de GTC. Mais soit on a 145 documents, on a besoin de nous traiter GTC. Mais avocat, il a reporté, il va reporter dans la dernière page. Depuis que ministre, il référait seulement à la dernière page du document, il pensait au traité de GTC, il référait à la page 55 qui fait un boucher, parce que ouais, GTC a traité dans la page 55, même dans le tout, qui dit nous ne tenons pas compte de pouvoir privé, parce que là, dans la dernière page du document, l'OVO est dans la page 34, 35, 36, 37 jusqu'à 42, il a dit oh, à part de parler de l'équipe privée, là, parce qu'il n'y a pas pris le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour feuilleter le document, pour regarder la conclusion partielle, il allait directement dans la conclusion définitive, c'est l'orgue. Tout document yo, et tout ce baguette de documents font conclusion partielle. En gros, je pense que je dis en assurant prendre note que le document a déposé son gros document qui était dans nos têtes chargées, débat pas fait sous lit. Même pensé que la société a déjà imprégné, ça veut dire approprié le document et on connaît qui ça en un document. Ça veut dire que nous-mêmes, pendant la parole, la société a déjà fait des documents. En pile, directeur d'opinion a déjà parlé de documents et l'international, m'a dit ça très sérieusement. Moi parler en tant qu'ancien vice-président ACPE, moi parler avec ACPE, il y a pas en Haïti en décembre. Yo mandé m'nan mois novembre là pour que monte Belgique dans bureau pour me déposer un copie rapport pour yo pour que déjà pour résolution contre corruption et Haïti pendant. Et laisse ça si Haïti pas ajusté au regard de la loi sur quatre continents ça. Laisse Haïti pas ca rentrer dans marché mondial là. Il y a une critique, dans cas le système privé là, il y a des monde qui dit pour ça pas demander pour vocation pour ta permettre ou faire lumière tous ou 8 ans pétro-caribéen. Il n'est pas trop tard. Bon débat là à Kounia. Et moi, ça fait environ un an pour m'enquêter jusqu'à fin mandat Michel Martelly. Si l'Assemblée a bon mon prorogation, je demande pour m'enquêter sous facette privée là. Je prends seulement 2 mois. Je prends seulement 2 mois pour m'enquêter. Mais songez bien, c'est pour enquête que je vais initier moi-même. Son enquête que je vais approfondir, que le sénateur Yuri te fait. Le sénateur Yuri te initie enquête là. Privé, tes sénateurs. Il était sénateur de la République, il vote comme même président. Enquête était déjà la main Yuri. Il était limité enquête là dans le temps. Je dis à vous demander ma profondeur enquête que le sénateur Yuri te fait. D'où me dégomme mandat limité. Et je dis à un débat, vous me demandez sénateur aussi apprécié le rapport là. Si vous trouvez que son bon rapport, vous trouvez que le commissaire a fait un bon travail, il y a bien intérêt, il y a même pour mon autre mandat, pour que m'enquêter sur le bout de mandat privé là et me garantir la nation. Normalement, le rapport a présenté jeudi, hein? Et c'est jeudi à tout, yo ban nous avons dit rapport. Ça fait que il y a un report qui fait pour jeudi 30, et jeudi 30, il y a un débat qui a fait là. Et non, si nous estimons que c'est un bon rapport, eh bien le rapport a passé. Mais si le rapport n'est pas bon, par exemple, il y a quelqu'un qui prend là, et puis qui prend, nous avons dit faire mon injustice. Mais comment c'est un rapport? Bon, rapport de temps en temps, il a changé. Oui, il a déposé le rapport vendredi, hein? Pour arriver aujourd'hui à Mati, on a changé le rapport encore. Ça fait que nous, pourquoi on est qui s'accorde dans le rapport, nous ne connaissons pas le fond, nous ne connaissons pas la forme, c'est seulement une présentation qui est faite à l'Assemblée. Maintenant, nous sommes censés reporter ces séances-là pour jeudi 30 et ensuite pour qu'on qui s'accorde. Mon cher, moi, j'étais quoi à 30 PAM avec ni à 30 population, c'est même bagaille. Pour nous connaître effectivement qui s'est passé dans le fond Petro-Caribéo. Pour nous ne pas cacher rien, pour ne pas déguiser rien, pour ne pas serrer gros mimi. Pour y apparaître timimi, pour nous pas serrer timimi, pour y apparaître gros mimi. Nous voulons tout le monde qui est mis au trempé dans l'agent Petro-Caribéa pour y répondre devant la justice. C'est ça qui intéresse nous aujourd'hui. Et moi-même, personnellement, c'est ça qui intéresse. Moi, pas pour nous retirer les gens qui ont gaspillé l'argent Petro-Caribéa, retirer eux, comme si les gens ne pas me protéger. Ou bien tel groupe a protégé les gens. Aujourd'hui, si nous faisons ça, nous ne pas prendre la nation en service. Au contraire.
ça n'a fait pire mal encore que les gens qui dévolent l'argent. C'est une raison qui fait jodi a, faut que nous entendons, nous, faut que nous mettons nous d'accord pour nous dire à bas la corruption. Bon, jodi a nous présenter rapport là. Sénateur m'a donné un délai. Nous prenons le jeudi 30 novembre à 2h. C'est-à-dire tout sénateur informé, population pour le garder débat, jeudi 30 à 2h. Moi-même, je n'ai pas pour m'entrer dans le fond débat. Moi, je fais un rapport que je remets. Moi, j'ai été attaché à rapport, le sambat président. Je dis à moi simplement rappeler sénateur que malgré qui étudie sous forme yo, mais tout le monde qui a regardé pays a 192 pays qui dans Nations Unies qui a regardé nous yo est pour prendre un seul mot nous sorti de 89e à 175e dans l'échelle corruption. Ça veut dire qu'on problème dans pays a. Si qu'on problème on nous résout li. N'a respecté forme, n'a respecté toute bagaille, mais ça veut dire que si nous prend train ça nous doubler de 2002, regardez qui l'a eu, rapport Paul Denis, à presque 2013, Pedro Caribe. Le bon problème dans le pays, Sénat, qui a pris responsabilité. Sénateur, qui c'est des mondes indépendants, qui viennent là, même si on est dans un parti, ils viennent faire travail là. Moi, je compte sur eux, parce que 89e à 175e place, dans l'indice de la corruption. Merci un peu. Premier bagage m'a dit population c'est que moi crois que c'est un rapport tout le monde t'attend et moi dit que au-delà de contenance rapport de 50 ans moi crois son bagage historique lié pour pays a pour la première fois que n'a initié un travail comme ça mais l'extrêmement nécessaire pour me signaler tout en tant que professeur de droit constitutionnel que ça qu'a fait là c'est parce que peut-être parlementaire qui était là avant eux il était un travail plus haut fait pas faire au niveau du contrôle de l'action gouvernementale qui fait que je dis ou presque en dehors de la normalité procédurale pour capable rétablir la vérité sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Je dis à moi-même, moi encourage l'initiative là avec tout le monde qui prend l'initiative là. Mais cependant, nous avons un débat, nous avons posé une question sur la recevabilité. C'est-à-dire que il y a des sénateurs qui ont fait partie de la commission qui parlent d'encore notamment contre pour qui. Mais moi-même, si il y a un empêchement pour nous être capable de prononcer non sur la recevabilité de rapport ça par rapport au respect des procédures. Moi-même, il y a un bagage fondamental que je demande, c'est que nous avons une possibilité, parce que pour moi-même, nous pas en dedans normalité procédurale, nous pas en dedans constitution. Mais si c'est pour capable de poser un acte sublime, extraordinaire, pour dire plus jamais nous pas accepter le monde pour un fond, l'argent payé pour utiliser le mal, moi demande, moi fais une demande extraordinaire là, nous t'arrêter tout le monde qui est indexé. Même si nous connaissons que nous n'avons pas entré dans le Parlement, que nous présentons là, comme nous sommes déjà en dehors, que nous présentons là. Même dans le tout le monde, et même dit tout le monde, parce que autant de gens qui pensaient que la commission, c'est des gens qui l'a protégé. Des gens qui quittent la commission qui pensaient que l'autre monde l'a protégé. Des gens qui ne peuvent protéger personne, même dans le Laurent Lamotte, dans le Michel Duvivier-Pierre-Louis, dans le Enek Jean-Charles, dans le Patrick Noamé, dans le tout le monde qui est indexé, Wilson Lalo, tout le monde qui a parlé quelconque. Mais tu as aimé que vous venez là devant la séance pour expliquer, pour nous attendre. Et s'il faut que nous t'apprenions deux mois pour nous attendre, après l'autre, nous pensons que la nation est intéressée pour t'attendre. Et deuxième bagage, je me demande tout. Je ne pas d'accord que y ait des commissaires qui ont fait partie de la commission, qui juste pas là-dedans encore. Et puis je dis, il y a même temps de parole avec moi-même qui juste pas l'analyser pour la première fois. Il faut que la nation connaisse qui raison qui fait que vous avez quitté la commission. Je pense que ça, c'est deux bagages que je me demande. Et je m'attends que tous les collègues. Il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement de l'ONI qui gère la base de données et comment elle est gérée. De s'interroger également sur le mode de fonctionnement de certains commissaires de gouvernement, surtout en ce qui concerne le problème foncier. Voilà, Monsieur le Ministre, ce qui constitue l'essentiel des raisons de cette invitation, joint au comportement des autorités policières en ce qui a trait particulièrement de la circulation des véhicules, soit en ce qui concerne les plaques d'immatriculation,
en ce qui concerne la tête des pare-brise et en ce qui concerne, je dirais, le mode de fonctionnement des agents de police qui ne cessent pas en général d'abuser leur pouvoir par rapport à des citoyens paisibles. Face au bassin à risque, risque de débordement politique, risque d'assassinat, risque de conflit entre bandes armées, quel plan stratégique comptez-vous mettre en place afin de mieux garantir la sécurité de la population, particulièrement les personnes ciblées? Récemment, des agents des forces de police ont été froidement abattus par des bandits ou en est l'enquête. Deuxièmement, la détention préventive est toujours pratiquée de façon abusive. Que comptez-vous faire maintenant, monsieur le ministre, pour y remédier? Car il y a des gens qui sont en prison depuis plus de 3, 4, 5 ans et qui n'ont jamais eu droit à un jugement, et vous le savez pertinemment, monsieur le ministre. La même question revient et nous devons hélas la reposer. Nous sommes dans un pays où l'impunité devient la règle. Que comptez-vous faire pour combattre la récidive et dissuader ceux qui seraient tentés de passer à l'acte? Sur le plan humain alors, en ce qui concerne le respect des droits des détenus, nous ne voyons aucun signe d'évolution quant aux conditions de détention, y compris le problème de la surpopulation carcérale. Il faut dire que ce problème coïncide avec celui de la détention préventive prolongée abusivement qui est en train de battre son plein aujourd'hui. Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour résoudre ce problème par rapport aux promesses faites lors de votre première invitation? Nous avons appris que vous avez mis sur pied un nouveau corps qui s'appelle Brissif, qui doit s'occuper des litiges fonciers. De quoi s'agit-il véritablement? Monsieur le ministre, lors de notre première invitation, nous avons demandé d'apporter des signes clairs que les choses vont évoluer dans le bon sens. Nous sommes maintenant à la fin de l'année. Les résultats ne sont pas convaincants. Quand espérez-vous enfin aller au-delà des mots pour soulager les mots? Monsieur le secrétaire rapporteur, veuillez donner lecture du point 4 de l'ordre du jour. Moi-même, comme nouveau, je travaille pour moi. Un travail sur ça pour retirer le problème ça pour m'assurer que tout le monde est bien sûr. Là, on a parlé d'une vente, vous remarquez que dans le rapport là, il y a un pénitentiaire. Donc, si tout citoyen est en prison, il y a un cadre de tout, parce que mon numéro souligne, maintenant, c'est la réalisation de tout le monde. Donc, il n'y a pas toujours qu'à identifier. Et les citoyens, ça, et dans le dossier, d'après une remarque, pour qui ça a été dans le dossier, dans tout ça, l'a fait, on a toujours capable de connaître, et qui, dans quel statut des citoyens est. Donc, c'est ça qui fait que le but, c'est très important pour tout le monde identifié avec le code d'identification nationale. Par contre, ce qui est l'autre moyen d'adresser, que seulement nous voyons bien. Et difficultés que nous allons confronter parce que nous tous nous allons renouveler les cadres. On a parlé de peut-être 11 millions de cadres ou plus. Et nous avons besoin plus d'emplois. Utilisez le micro. Nous avons besoin de plus d'emplois pour nous capables d'adresser les positions, ça, pour nous capables de prendre tout le monde et pour nous faire cadre. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'adresser l'autre question à part de. Nous n'a pas parlé de dysfonction, mais nous n'avons pas parlé de dysfonction, c'est que nous n'avons pas mettre le fonctionnel. Donc, pour nous mettre en fonction, c'est normal, nous avons besoin d'adresser fonds pour ONI qui travaille également à travers le pays. Le ministre de la Justice et la Commission Justice Chambre députée a toujours besoin des informations sur l'actualité, sur ce qui a passé dans le pays.
Donc, dans ce sens, il a fait une convocation pour nous venir répondre aux préoccupations à certains dossiers qui ont défrayé la chronique à part au principe particulièrement. Bon, détention préventive prolongée, il y a une nomination qui est en cours, qui peut encore arriver à aboutir, mais qui n'est pas ministre pas responsable de ça. Et puis, il y a un problème prison en tout, situation pénitentiaire nationale là, qui nous parle d'essai. Il y a un autre problème encore. La semaine dernière, nous étions en pénitentiaire. Et que la façon dont les prisonniers vivent là est vraiment les déplorables. Est-ce que ce problème est parce qu'il posait? Je ne pense pas penser ça. Ce problème parce que l'on regarde le nombre de monde qui est en prison, avec le nombre de condamnés gagnés, donc on a l'impression que c'est jugé ou pas jugé. Mais c'est vrai que la prison pénitentiaire a été faite pour 800 personnes, mais il y a 4000 personnes. Donc, nous parlons de cellules avec des parquetiers, avec les gens qui ont l'inspection judiciaire dans le ministère, pour nous regarder comment nous travaillons, pour nous déblayer les pénitentiaires. Hier, nous avons convoqué dans le ministère 5 substituts accompagnés de chef parquet et magistrat Oknam. Sous dossier Calico, justement. Nous ne sommes pas honnêtes si le dossier Calico a fait tout tourner ça dans le milieu judiciaire avec dans la presse, relayé par la presse. Et puis pour nous-mêmes comme responsables, nous ne prenons pas de décision, nous ne mettons pas au parfum pour nous prendre ça. Dans ce sens, hier, nous avons auditionné 5 substituts qui sont accompagnés de chef parquet. Nous pouvons prendre une décision, mais nous avons assuré qu'il y a une décision qui ne peut pas le prendre. Décision pour qu'on sorte, mais assurez-nous qu'il y a une décision qui parle. À quel niveau vous impliquez dans ce qui passe à Calico? Chaque monde a des implications dans le dossier Calico. Chaque monde a des implications. Et je pense que d'ici 24 heures, on va prendre ce qui sort comme sanction et comme décision. Il a semblé que dans le dossier, il a cité non chef parquet, pour ancien chef parquet. Mais par contre, dans le même dossier, on a parlé, par quelqu'un de côté, nous voyons que. Ancien chef parquet, qui a signé ou qui a pris une décision dans le dossier. Par contre, on substitue par avenir dit que c'est X, c'est ancien commissaire X ou Y qui a pris l'ordre pour me faire tel bagaille. Dans ce sens, le parquet n'est plus indivisible. On prend une décision, on va assumer. C'est ou bien commissaire Mando, commissaire en question, bon l'ordre, ou dit ah, CG, il faut bon ordre écrit. Si vous n'avez pas exécuté le tout, vous mettez le dossier. C'est je, sous le compte de mes dossiers, prendre des décisions. Mais vous n'avez pas dire que c'est X ou Y qui est l'ordre qui va me faire tel bagaille. 214e anniversaire de la bataille de Vertière, c'est vraiment. Ils ont beaucoup. Ils sont capables de dire que c'est toute une histoire. Pour moi, l'homme de l'histoire, c'est parce que, au point de vue politique, tout le monde connaît comment la deuxième ville a fonctionné. Cap Haïtien a vraiment une ambiance par rapport à ce que nous connaissons que c'est là, Jouji, même par rapport à que tout ça, dans cette nuit, a été fait pour libérer le pays. Ça. Du 1963, il y a une telle bataille, en pile sans couler, en pile monde tombé, a dû marquer pour nous avec de gros événements. Mais, qu'est-ce que nous, monsieur? Que ville Cap-Haïtien sont ville de jour en jour qui a fait bac par rapport à comment l'État comprend. Je ne vous dis nous avons l'environnement, je ne vous dis au Cap-Haïtien, nous avons la santé, pour l'éducation, et le lycée, pas qu'à jouer cours. Je suis dans la rue pour comprendre que la préparation de la fête manque qu'elle content. C'est vrai que nous avons doué à la nation une fête extraordinaire, pour une fête historique. Pour montrer comment cette communauté goumé, ils ont libéré le pays ça, en bas de mes colons. Et je dis à 214e anniversaire, il y a un jour qui permet que nous-mêmes nous possédions un souffle de soulagement. Et pourtant, jusqu'à présent, nous avons imaginé qui est sorti du pays ça à côté d'hier, qui est-ce qui a venu libérer nous en deuxième fois et dans le moment, et comment ville Cap-Haïtien, ville principale là, côté bataille ça, nous sommes capables de dire. Et grandi, explosion de fait là. Bien, moi, comme député Cap-Haïtien, la voix autorisée, me senti que jusqu'à présent, je n'en fais noir. Pas parce que le gouvernement n'a pas une volonté, mais il faut une action qui a posé. Il faut
fon wè moun kap viv nan zon ki pi prevertier, koman gen blackout, inondasyon nan zon Blue Hills, e vil kap ayisyen pa eklere, sa ve di ke nou chak problem. Map antisipe pou m di ke nap tan yon karavan nan la kouvertier. Pou mwen, yon karavan sa ve di ke vini fe, make pa, fòs ame kap vini nan premobilize yon, se ta va d'abord komanse di le kap d'abord fòn debloke sityasyon sa ou. Men jiska prezan, pou konfin wèl, m lanse apel la tou a populasyon, m lanse apel la tou a dirijan yo, pou m di si pepl a te vote nou kom depute senateur, kom magistra, voton prezident, jodi a prezident, jouji sa ki se samdi 18 novembre 2017 sa, ita de vreman yon jou de deblokaj pou non selman peyi ya, men pou vil kap ayisyen. Première dame nan vin nan l'hôpital Espoir, peut-être, parce que le premier dame nan kon vini, li pat kon entre, li kon depose ti petit li devan, ki kon vin fè service communautaire an dan l'hôpital. Donc, m'pa ka di se premier fois mi nan l'hôpital Espoir, parce que m'vini déjà, m'vini nan pile fois. Jodi an nan l'hôpital Espoir, c'est pour même projet, compte mwen compte. Donc, nou vin gade comment nou kapab lancer nan l'hôpital Espoir, parce que konnen, ti moun yo, si pou aplike politik de petit enfans lan, fò premièman ko ka identifye yo. Paske pa gen ken travay ko ka di ko pou al fè ki ka reyisi, si d'abord ou pa repatoye ti moun yo, si d'abord ou pa identifye ti moun yo. Donc c'est dans même rubrique identifye ti moun yo ki fè ke jodi a nou la nan l'hôpital Espoir et mwen mersi docteur paske li ouvri les bras, li ban espas kote pou m ka mete moun oni, kote pou m ka mete moun archiv nasyonal pou vin travay pou ke ti moun yo kapab anregistre. Et li ouvri l d'autant plus grand pour que même ti moun ki pa accoucher la même maman ki pa accoucher la kayli si yo vle vin enregistrer ti moun yo la yo kapab vini. Donc porte la ouvri pour toute maman, pour toute papa qui vle vin enregistrer ti moun yo, nou kapab faire ça dans l'hôpital Espoir. M'a profité de micro ça pour lancer un autre message. 1er décembre va arriver journée sida. Le journée sida arriver, c'est le ça tout moun va aller de sida. Tout le monde, on va faire journée en son seul mot, on va faire sida, 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 sida. Le 2 décembre, il rien jusqu'à prochain 1er décembre. Non. Sida fait partie de quotidien, nous, mes amis. Nous vivons avec elle, nous vivons avec les gens qui sont à côté de nous, que nous ne connaissons pas. Des fois, nous avons des gens qui ne peuvent pas les connaître. Je vais encourager tout le monde, faire des pistaches, prendre un statut pour nous capables d'agir sur ça. Nous faisons test, nous, les négatifs, c'est très bien, tout le monde est content. Si le positif, toute la vie n'est pas finie. Parce que on parle dans centre côté qui a fait prise en charge, on a besoin de médicaments gratis, on a besoin de monde
qui dans même situation avoir qui ont histoire presque même gens avoir nous une qui raconter l'autre histoire le savoir prend pas pour compte et la plus facile pour faire route là ensemble avec au monde qui comprend nous et qui connaît son passé tant pis tout le monde c'est pas pour 1er décembre nous pour faire dépistage là pendant toute l'autre année qui va venir chaque année sauf année ça ou qu'on refait encore année prochaine mais tout le monde qui peut faire tant pis année ça fait au moins n'a connaît et n'a agi responsablement. Délégation de l'ambassade américaine et délégation de l'USAID qui venait visiter Glory Industries. Comme nous connaissons, et Glory Industries bénéficiait de yon aide de l'USAID et c'est et avec aide ça, je suis capable de dire que c'était le premier grain yo qui était et permettre Glory Industries et commencer à implémenter Gandhi. Le type de programme ça a tout un paquet sur la création d'emploi. Et si nous avons plus de programmes en Haïti, nous ne pouvons pas vivre la migration que nous vivons. Donc, les Haïtiens qui quittent le pays pour y aller dehors, c'est parce que ils ont cherché travail, ils n'ont pas joué de travail là caillou. Donc au contraire, je pensais que si je dois envoyer un message au président Trump, je dois dire et programme ça c'est le programme pour le renforcer pour haïtien capable joindre plus de travail là caillou et pour haïtien qui aux États-Unis tout qui t'a voulu tourner, tu capable venir pour tes technologies yo, et venir investir en Haïti. Et venir et améliorer l'économie, améliorer la balance commerciale, et créer un environnement de travail, un environnement d'affaires qui est beaucoup plus intéressant pour le pays. Côté Mounio, tu as suspendu à voyager pour aller migrer dans l'autre pays. Stratégie pour être qui ça nous a fait. Nous débutons le programme SMASH, qui c'est Smallholders Alliance for Sorghum in Haiti. C'est là côté nous travaillons avec agriculteurs de Pitimi. C'est un programme de formation que nous faisons pour nous montrer qui j'en ai qu'à produire un Pitimi de qualité pour nous mettre dans la production panneau. Ce programme ça a commencé en 2013. En 2014, USAID vient rentrer là-dedans pour renforcer nous. Après ça, BID. Il vient rentrer une année après pour renforcer le programme ça encore plus. Et nous faisons ça à travers un partenariat que nous avons avec Papyrus. C'est Papyrus qui vraiment rentre, qui traverse tout le pays pour travailler avec agriculteurs directement pour les cas produits pitimiers. Mais là, nous rentrons dans la logique qui a un plus grand impact, qui a un plus pitimier de qualité, nous venons rendre compte que nous avons besoin d'autre centre de conditionnement pour pitimiers. Et puis c'est là ça nous rentrer en conversation encore avec USAID, avec Levé, pour créer un centre qui relève Étoile du Nord. Étoile du Nord, elle existait bien en avant, mais à travers les besoins Pitimisa, nous venons renforcer Étoile du Nord. Et puis c'est là côté Étoile du Nord vient joindre l'autre financement pour gagner équipement encore de qualité qui va mieux conditionner Pitimia pour nous mêmes dans le brassier national, nous acheter Pitimia pour mettre en production. Et Malta H avec Kinon. Et puis, bah, ça continue, ça continue. Toujours en partenariat avec USAID et avec BID. Et nous avons peut-être 18 mois dans le programme ça. So, dans 18 mois, ça, nous avons une tâche pour travailler encore plus avec plus et agriculteurs Pitimi pour nous joindre plus Pitimi. Ou Étoile du Nord, lui-même, qui joindre encore plus Pitimi pour processus 20. Et ce n'est pas seulement pour production dans le brassier national, non, mais c'est avec l'autre entité tout. Et il y a Food for the Poor, il y a l'autre entité, et puis d'autres compagnies qui voulaient acheter Pitimi en tout. Je viens d'arriver, alors c'est très difficile de former des
déjà une impression sûre, mais ce que j'ai vu, c'est le potentiel du pays. Je suis très heureux de voir avant à l'usine de papier et maintenant à cette entreprise, les possibilités d'Haïti, les possibilités de production locale, nationale et surtout ici dans le secteur agricole, c'est très encourageant. Ce qu'on cherche, c'est le développement durable. On veut que l'Haïti n'a plus besoin d'aide internationale. Ce n'est pas demain, mais un jour, on veut que les fermiers apprennent pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Donc, c'est ça que, pour nous, c'est le développement durable, économique durable. Donc, c'est ça pour les gens de réussir sans beaucoup d'aide internationale. Si vous donnez quelqu'un un poisson, elle mange pendant une journée, mais si vous enseignez à pêcher, on mange pour tout le temps. Et donc ça, c'est notre... Et depuis longtemps, c'est pour enseigner à pêcher. Parce que si on donne, on donne, c'est pas durable et un jour, on va dire, ah, on n'a plus d'argent. Suite à des informations pertinentes que la police recevoit de la part de la population de Granville, direction départementale, la police de Port-au-Prince, et notamment les unités spécialisées du département, assistées de la mini-juste et des autorités judiciaires, de gagner une opération qui était planifiée et exécuté dans la zone de Granville le lundi 13 novembre 2007 à partir de 5h30 du matin. Objectif opération, c'était pour rétablir l'ordre et empêcher que bandits continuent à terroriser la population et permettre que la population regagne un climat de confiance. Et permettre que l'y vague librement avec l'activité. Jean Durand, à partir de 5h30, opération a été débutée et tout se déroulait correctement jusqu'à ce que le directeur du collège Maranatha, en l'occurrence lui, M. Louis Armand, approché de le contingent de l'ULIMO pour informer que les gagnants ont entrepôt qui ont dans l'école Lyon qui gagnent des armes que bandits ont serré la donne. Effectivement, les policiers ont été directeur de l'école au mot, M. Louis Armand, et ils ont été accompagnés directeur de l'école justement jusqu'à l'école. Côté que le directeur a été invité à ouvrir entrepôt suivant ça, il dit qui a des armes à la donne, que bandit a servi la donne. Pendant que les policiers ont fait manœuvre pour être capable d'ouvrir entrepôt, que le directeur a dit qu'il y a des armes à la donne, malheureusement, c'était des bandits armés, lourdement armés, et pas moins de 12 à 13 bandits lourdement armés de Galil de Kalachikov. Qui ouvre les armes à bon portant sur les policiers. Et subitement, nous avons deux policiers qui tombaient sous les balles de ces malfrats. Et nous avons pas moins de 4 blessés dans le rang de la police. Donc, en gros, c'était ça. C'était le bilan du côté de la PNH. Mais il faut dire, parallèlement, pendant que Bandio quitter entrepôt hein, pendant qu'il a pris la fuite, et bien il a tiré et surtout ça aujourd'hui il n'était pas vigilance policière et puis il était capable d'abriter, coucher, etc. Donc
tap gagné plus mort dans le rang de la police. Donc pendant qu'il y a sauté et que il a pris des directions inconnues que nous-mêmes nous pas connaît et puis il a tiré surtout ça rejoint ce passage. Donc malheureusement c'était ça la situation. Deux morts, quatre blessés bon côté la police et bon côté bandido, est-ce que pas c'est pas quelqu'un qui est blessé qui saisit nous fait dans cette opération. En réponse avec attaque bandido et policiers qui survivent et gagnent et ils arrivent stopper toi parmi les bandits. Parmi les bandits, il y a trois qui sont mortellement blessés. Mais j'aime dire là, les bandits ont profité de la situation. Côté policier tombé, côté policier blessé, côté policier abrité, qui était capable d'échapper pour lui. Et pendant tout ce temps, il a tiré. Est-ce que c'est dans l'échange, dans le moment où on a attaqué, non, que trois bandits sont tombés? Évidemment, parce que il y a un policier qui est tombé, il y a un policier qui est blessé, un policier abrité. Et pendant qu'il a couru avec les armes dans la main, vous voyez, il a tiré sur le policier. Pendant qu'il a couru, il a tiré sur tout le monde, et puis il y a trois qui sont stoppés. Pas d'arrestation qui fait, pas d'arrestation. Oui, il y a eu tant d'arrestations. Il y a tant d'arrestations qui fait sur les lieux de l'incident. Et le directeur de l'école, M. Louis Amand, il a été conduit à la section départementale de la police judiciaire pour être auditionné et de faire par devant la justice. Qui arrive avec le directeur de l'école là? Normalement, on a parlé là, qui côté lui? Le directeur de l'école là, lui. Et il a subi des auditions de la part de la police hein, pour être déféré par devant la justice. Donc, l'État a quelconque lien avec cette fête-là? Bon, c'est dans le local, l'action a passé, vous voyez. Donc, c'est lui-même qui prend policier, accompagne policier, arrive dans le local, c'est lui-même qui baille policier, clé pour policier, ouvrir. Entrepôt Lydie qui a des âmes là, c'est dans l'entrepôt qui c'est pour lui, qui c'est propriété que Bandio est caché avec gros âmes bonne foi, et c'est dans le local lui que les policiers ont mouru ou blessé. Donc on croit que lui a mérité pour la police tandelle ensemble avec la justice. Nous avons des différentes unités qui ont participé dans l'opération. Bon, nous avons UDMO, nous avons Boyd. On a gagné un commissaire de Port-au-Prince et puis on a gagné le juge de paix de la section S de Port-au-Prince qui était assisté non, accompagné de la ministre. Donc c'était une opération qui était planifiée, ordonnée et organisée. Le conseil avec la direction générale? Bon, normalement, la direction, nous avons gagné une direction départementale là. Qui toujours, n'est-ce pas, est informé direction générale de tout ça que la patrie prend comme activité. C'est avec collaboration, population, information que population te banon qui te permet l'opération ça et les possibles. Donc population, la police, donc qui est condamné pour le travail ensemble et parce que question sécurité, hein, ce n'est pas seulement l'affaire de la BNH, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire du privé, c'est l'affaire des citoyens, de la population. Donc, et encore une fois, m'a demandé la population hein, pour lui réitérer confiance dans la police hein, et renouveler la collaboration. Donc, question pour nous rendre la vie possible dans une localité ça qui est grave. Chaque année, nous réunissons les élèves, nous faisons chanter, nous faisons etc. Et puis nous constatons que, bah, au lieu pour nous être à l'image des hommes de Vertière qui se sont sacrifiés, c'est juste le contraire. Hein, sont en politique cap menin, qu'on vit, n'est-ce pas, de la chute de Dessalines à nos jours, qu'on dégradation. Nous prenons par exemple
de la guerre civile après l'assassinat de Dessalines, ça pourrait aboutir à l'occupation américaine, les luttes de pouvoir, vous voyez. Donc ensuite, après l'occupation américaine, on continue, n'est-ce pas, à se battre pour le pouvoir. On va avoir, n'est-ce pas, on n'a même pas fêté le bicentenaire de notre indépendance. 2004 n'a pas été, n'est-ce pas, n'a pas provoqué chez nous un sentiment de patriotisme devant nous porter à accepter de déposer les armes, de nous entendre selon la leçon donnée par Dessalines. Dessalines et Pétion se sont entendus, ils se sont battus, voyez, mais une nation se construit par la nécessité de comprendre qu'il faut à un moment laisser de côté, oublier le passé, poser les problèmes du présent et les problèmes de l'avenir. Est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas, lorsque Dessalines et Pétion se sont entendus? Est-ce qu'on a fait au camp Girard? C'est ce qu'on a fait à l'Arcaillet? C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Et puis on était ensemble, on a eu une armée, l'armée, n'est-ce pas, qui s'est, n'est-ce pas, imposée face aux troupes expéditionnaires à la bataille finale de 1803. Et cela nous conduit, n'est-ce pas, à une deuxième occupation après 2004. Hein, on n'a pas fêté, on n'a pas commémoré 2004. Hein, et ensuite, la lutte de pouvoir continue, la chute d'Aristide, et puis une deuxième occupation à n'en plus finir. Hein, on est encore là. Il y a une mission, n'est-ce pas, de stabilité. Elle était là pour nous aider à retrouver la stabilité. On est en pleine instabilité. Les gens sont dans la rue. C'est la manifestation, les manifestations qui n'en finissent pas. Et puis la dégradation de l'économie, la dégradation principalement de l'environnement. Le bilan est tragique. Voici là où l'on est. Chaque année, 17 octobre, on est, n'est-ce pas, au Pont Rouge, Vertières. On va à Vertières, n'est-ce pas, pour commémorer cette date. Et puis, hein, c'est comme le Christ pour les chrétiens. Les chrétiens crucifient le Christ chaque jour, n'est-ce pas? Nous blasphémons, nous foulons aux pieds, n'est-ce pas, un héritage aussi important. Et puis, nous prenons le masque de l'hypocrisie, nous commémorons alors qu'on est en pleine trahison. Hein? Il ne devait pas avoir, c'est la Constitution, pas d'armée étrangère. On a une armée étrangère. On travaille maintenant chaque acte posé par les hommes politiques de tous les camps. Pour les hommes politiques, c'est un acte qui nous prépare à d'autres, n'est-ce pas, problèmes, d'autres crises. Hein? On prépare d'autres. On passe de crise en crise, de crise en crise. Et lorsque, par exemple, vous prenez l'armée, vous prenez le CEP, hein, le conseil électoral chargé d'organiser les élections. On n'a jamais eu de bonnes élections. Pourquoi ne pas, même si la Constitution dit voici les institutions, mais c'est trop important une institution pareille, n'est-ce pas, qu'on l'aborde de ce problème-là avec un esprit de, bon, de pas, on fait semblant d'appliquer la loi, mais on sait comment on va choisir les hommes, on voit comment on choisit les gens dans les institutions. L'armée, n'est-ce pas, s'est désintégrée. C'est pas le moment de dire pourquoi et comment, vous voyez, on veut revenir avec l'armée. C'est l'occasion justement, c'est un problème national, tous les secteurs sont concernés, n'est-ce pas? Donc on doit poser le problème pour avoir, n'est-ce pas, un consensus national. C'est comme pour le CEP, c'est comme pour les grandes institutions. Il n'y a pas de pays sans institution. Or nous, nous prenons plaisir à banaliser, à galvauder les institutions, donc nous n'allons rien, nous n'allons nulle part. Vous voyez, voici le problème. Donc, moi, ce que je sais, l'une des conséquences d'une crise, c'est de changer soi-même. Changer soi-même comment? En priorisant le collectif sur l'intérêt individuel. Chaque monde qui l'a, c'est intérêt pas à défendre, qu'il en a tourné dans le pouvoir, qu'il en a mis le groupe sur la tête, il est temps de poser les problèmes du pays. Chaque monde. Il faut nous chaque changer pour nous prendre conscience de citoyens avec le sens de responsabilité que cela suppose. Alors, d'accord, sur le dialogue, mais il faut poser les vrais problèmes du pays, n'est-ce pas, pour qui doit aboutir à un plan d'organisation et de développement sur une période bien déterminée, n'est-ce pas. À ce moment-là, on pourra dire qu'on est une fois sur le bon pied, c'est le bon départ. Les dates commémoratives ont leur importance, ont leur utilité.
ou a dit tout le monde, mais ça t'est passé l'esprit de sacrifice de ces gens. Hein? Et les leaders, n'est-ce pas, étaient à la hauteur. Il nous faut maintenant un leadership éclairé, des gens conscients, des gens prêts à sacrifier, n'est-ce pas, pour l'intérêt collectif et non pas pour leur intérêt individuel. Les batailles, n'est-ce pas, à n'en plus finir, ça ne mène nulle part. Donc voici comment il faut poser les problèmes. De par mon expérience, de par mon itinéraire, les institutions ont leur importance pour le bon fonctionnement du pays. Nous banalisons les institutions. Nous aujourd'hui, nous sommes 6 pour arriver 10 novembre. Ensemble, dirigeants syndicats qui sont dans trois centrales syndicales haïtiennes, nous avons rendu en République dominicaine dans le cadre d'un accord pour nous travailler avec trois centrales syndicales. Et nous travaillons sur des thématiques, donc pour question environnement, migration et zone franche. Et sous ça, nous prenons des engagements ensemble pour nous travailler sur question ça par rapport à des problèmes que nous constatons. Et c'est sous base ça, nous prenons engagement pour mettre campé une plateforme syndicale qui nous permet de nous adresser au mieux problème environnement et pour nous capables d'intégrer environnement dans toute activité syndicale que nous avons fait pour gagner plus de sensibilisation qui fait par rapport à l'environnement qui a dégradé. Et sous question de zone franche dans tout, nous constatons qu'il y a des gros problèmes entre Haïti et République dominicaine, surtout des entreprises et multinationales eux-mêmes qui présentes et en Haïti et en République dominicaine, nous prenons des engagements sur le plan syndical pour voir comment nous sommes capables de venir au secours dans le cadre de question de travail décent. Et troisièmement, dans la question de migration, il y a un pile haïtien qui a travaillé en République dominicaine. Et sous base ça, nous prenons des engagements tout pour voir comment nous sommes capables d'accompagner dans le cadre de violation de droits pour nous capables de voir comment nous sommes capables de travailler en toute dignité. Et c'est sous base ça, nous avons un accord que nous prenons ensemble. Et accord ça, la permet, par rapport à la réalité, il y a des actions en commun que nous avons fait sur la question de l'environnement. Et par rapport à la réalité, par nous tous, il y a des actions que nous avons fait. Et c'est sous base ça, et nous sommes présents le week-end. Et je vous dis, nous rendons public ensemble engagement ça que nous prenons dans le cadre d'un plan d'action pour nous avancer sur la question ça, ensemble thématique ça, que nous adressons. Il y a un bagage, camarade de Fadi. Jean que jodi an nous lancer processus d'accord ça à la presse, c'est même Jean tout Saint-Domingue avant nous te déplacer, yo lancer processus d'accord ça, plan d'action qui va le faire entre deux pays dans cadre environnement, immigration et puis zone franche. Nous même syndicat yo, nous déjà prend un consensus entre nous et nous même nous supposé faire plaidoyer pour nous faire gouvernement connaître les deux pays. Idem pour Saint-Domingue, il a fait le gouvernement connaît que un processus, un protocole d'accord qui s'est entre deux pays à travers par le biais des syndicalistes pour nous travailler ensemble sous question environnement, comment nous capables d'arriver à améliorer l'environnement dans le pays d'Haïti et dans le pays Saint-Domingue. Malgré nous connaît le pays Saint-Domingue son pays qui déjà avancé par rapport à Haïti, mais nous-mêmes nous travaillons ensemble, ça, dans la continuité, ensemble, dans le plan d'action nous, que nous avons mis sous pied. Nous connaissons, nous arrivons à faire quelque chose, peut-être, qui est capable d'améliorer les conditions du pays. Nous avons fait nettoyage rivière ensemble. Nous avons fait nettoyage plage ensemble. Nous avons gagné pour nous faire bassin Vincent. Nous avons fait ensemble avec le groupe dominicain. Et puis nous-mêmes, Haïti, nous-mêmes, parce que pays dominicain, c'est un pays qui est reboisé. Mais nous-mêmes, nous pas reboisé les mêmes gens. Nous t'ai dit, nous avons fait reboisement tout nous-mêmes, dans le pays. Nous. Et pour nous faire reboisement ça, nous avons utilisé élèves de l'école, nous avons utilisé membres syndicats nous, pour nous faire reboisement. 2018, il a commencé, de manière concrète. Nous avons battu, nous avons travaillé pour ça. Nous avons lutté, nous-mêmes, syndicats, organisations syndicales, nous avons travaillé pour bénéficier. Parce que les gens, par exemple, qui sont d'origine haïtienne et qui fait dans ces domaines, nous avons battu pour les gens qui ont nationalité correctement. Parce que si les gens fait ces domaines, c'est pour les nationalité dominicaine, même si d'origine haïtienne. Juste son action, nous avons fait avec la République et
d'Haïti, avec la République dominicaine, nous avons le gouvernement Haïti, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons utilisé le ministère de l'Environnement, nous avons utilisé le ministère qui est Saint-Domingue-là, et puis nous avons des appuis que nous avons avec CSC Belge, nous avons des appuis avec CSA, nous avons des appuis avec CSC. Non, nous ne pouvons pas parler avec nous parce que nous avons gagné, là nous avons Saint-Domingue-là, nous avons gagné et espère qui sorti dans le ministère de l'Environnement. Qui est allé avec nous, Saint-Domingue. J'espère que ça prend toute notre salle pour le porter par le ministère de l'Environnement. Oui, nous avons un syndicat de l'Environnement dans le ministère de l'Environnement. Le 17 novembre 2004, réseau Abbasiste Messa avec ASR Haïti a décidé d'adopter une journée pour sensibiliser tout le monde pour batailler contre le phénomène Messa avec en Haïti. Jeunesse Ayo, c'est toujours une occasion pour nous mobiliser tout acteur qui a bataille pour respect de droits timounio, surtout ça qui est victime du phénomène reste avec là. Jeunesse Dia, 13 années depuis ASR Haïti lancé une sensibilisation ça, qui ça qui fait déjà pour arriver à déraciner le phénomène reste avec là. Diverses activités faites, tant que marches, conférences, lettres ouvertes, élaboration action anti-protocole en tant que prévention à protection du monde. Et puis, activité de sensibilisation pour sensibiliser l'État sur le rôle de gain et des voies. ASR choisit l'occasion ça pour lui faire des recommandations dans l'occasion de célébration de la 13e journée nationale de sensibilisation contre la pratique reste avec là. 1. Respecter la Constitution 1987 là, dans mettre l'école primaire gratis dans tout pays pour tout le monde jouer une éducation. Prend bon jan loi dans le pays en faveur de timoun yo, dans l'esprit Convention Nations Unies, Convention 138 et 182. Signer et ratifier Convention 189 sous protection travailleurs et travailleuses domestiques. Ratifier Code protection timoun yo. Mettez en application loi sous châtiment corporel. Mettez en application loi sous traite moun. Spécialement timoun yo. Prend bon janmezi pour éliminer le système reste avec là dans le pays d'Haïti, dans mettre service de base dans toute section communale yo à quartier populaire défavorisé. Mettez en application convention pays d'Haïti déjà signée et puis ratifiée devant Nations Unies à Koyea pour garantir droit moun dans le pays spécialement droit timoun yo. Ratifier pacte international sous droit ak devoir économique, social et culturel. En même temps, mettez budget suffisant pour institution l'État qui travaille dans la question de protection de tout le monde, surtout IBES et bien-être avec BBM. C'est une occasion pour nous demander aux autorités pour faire problème de tout le monde qui est victime du phénomène reste avec eux, venir un problème national pour permettre qu'il y ait un pile parler qui fait sous lui et qu'il y ait un pile décision qui prend sous lui. Comme ça, Jean nous dit dans le thème, nous sommes capables de courir bataille pour déraciner le phénomène reste avec là pour gagner une famille pour chaque timon. Merci. Et journée la fête 17 novembre, et il y a diverses activités qui sont faites dans l'occasion.